In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Half-Life 2, épisode 10. Aujourd'hui, les amis, retour sur le chapitre Autoroute 17. Nous allons reprendre le buggy après avoir passé ce petit passage où il fallait juste enlever les cales de l'auto-mitrailleuse blindée. On reprend donc notre buggy et on file en direction de la prochaine étape. Rien à récupérer. Je regarde d'ailleurs, on sait jamais. Par contre, là-bas, à mon avis, il va y avoir du monde. Marche arrière toute. Autant économiser de la munition. Par ici. Tout à fait limité, hein, je vous rappelle, hein, donc autant. Autant conserver. A-t-on fait le ménage? Je ne suis pas certain. Je suis clairement pas certain. D'accord, j'étais pas sûr au début, je pensais qu'on nous tirait dessus, mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Bah écoute, tant qu'à faire, on récupère, hein. Faut toujours servir. T'as des petits soucis, mon gars. Continue à fouiller. Des roquettes, j'en ai pas eu besoin. Et tant mieux. Là, y a de la vie. Ok, c'est chelou. Très bien, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Non. C'est pas cool. Voilà, on extermine les parasites de ce type. Bon, au final, on a plus perdu de mun que ce qu'on a gagné, mais c'est pas très grave. Au moins, on a fait le ménage. Allez, on récupère ça. On se casse de là. Je l'entends, c'est enfoiré. Regardez le lamar là-bas. Le lamar. Je vais sniper le lamar. Voilà.
Je t'ai vu, enfoiré. J'ai libéré la saloperie, mais au moins, c'est Vitra qui m'en balance sur la tête. Munition épuisée. Ouais, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. On l'a éclaté, c'est ce qui compte. Je sais pas s'il faut descendre, s'il faut récupérer le buggy et continuer. Continuer là-haut là. Donc déverrouiller ça, c'est ok, j'ai compris. Donc il va falloir descendre, on n'aura pas le choix. Faut descendre tout en bas là, vraiment. Ok, on nous file un petit peu trop de vie, de munitions, d'armure et tout ce que vous voulez pour que ça se passe bien. Oh là 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 là. Je regarde, hein, je sais pas trop là. Mais je pense qu'on va pas avoir le choix. Je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu. Ah, on peut le tenter en YOLO. On peut le tenter en YOLO. Mais c'est exactement ce qu'on va faire. Mais on va sauvegarder d'abord. Vous m'en voudrez pas. YOLO. Ça passe. Au calme. Ça passe au calme. Saleté, saleté. Il nous donne un peu trop de roquettes là. Ouais, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On va s'effondrer quand même. Lamar, petit con.
Oh, le tir réflexe qu'il a pris de la mare, là. Il a rien compris. C'est peut-être plus simple de passer par là, non? Ça va bien s'effondrer, cette merde, non? Je regarde, parce qu'à chaque fois, on peut descendre, là. Donc, je me dis, il y a peut-être des trucs à récupérer, hein. Allez, on entre dans du milieu confiné. On va sortir le pompe. Il y a de la vie en quantité. Je pense que quand on va faire le chemin retour, ça va être scandaleux. Je les entends, hein. Je les entends. Appel contact suspect. Ok, là on est un peu loin. Je sais pas si je l'ai eu. Je l'ai eu ? Il a pas l'air bien. J'ai dû le clouer au... J'ai dû le clouer au truc. Cet enfoiré. J'ai fait. Par contre, j'ai peut-être bousillé ce qui me permettait de monter, non? Je sais pas. Hein. Un peu de mun. On va aller voir d'abord par là. C'est ça, je l'ai cloué au truc. Putain, comment il m'a allumé, l'enfoiré de merde là. Putain, comment il rush les bâtards. Vous avez vu ça? Enfoiré, il rush bien, hein. La mune. On continue. J'ai été plutôt rapide. J'ai été plutôt rapide. J'ai tout ouvert, c'est ça? On va se mettre de l'armure. J'ai jamais été aussi en armure. Ça va durer longtemps. Ok, je comprends les roquettes. Vous savez quoi, on va redescendre. On pourra pas l'affronter comme il faut, je pense. S'il y a des petits enfoirés, je sais pas où ils sont.
On va sauvegarder. Au pire, on ira reprendre de la vie après. Mais on va sauvegarder. C'est préférable. Tiens, t'en as pris une première. Ailleurs, je sais voilà qu'il y en a bien ailleurs. Oh le bâtard, comment il a esquivé, salaud, va. Quoi, je te fous. C'est pour ça qu'il y avait toutes les roquettes qui traînaient. C'est qu'on a cette espèce d'enfoiré. On va devoir tout se refaire. Quoi ? J'ai pu ! Ah non, c'est là-bas. Bon, j'ai ramassé un peu là, mais je m'en suis sorti pas trop mal en vrai. On va descendre, je crois qu'il y avait de la vie tout en bas. On va pas se priver, on va aller se récupérer un peu de vie. Surtout que, à mon avis, il y a autre chose qui nous attend. Hein. On va même remonter jusque là. C'est un peu risqué là. C'est beau! C'est du beau jeu! C'est sûr, ça va me tomber dessus ici. Là. Je le sens là. Je sens qu'on va avoir un problème avec des enfoirés. Wow! Voilà. Ça c'était bon. Des fois qu'il y a un peu de... Voilà. Je vais dire une armure. C'est exactement ce que je cherchais. Eh bien, on va pas se priver, hein. Tiens, regardez. J'ai vraiment bien fait de le laisser. Ah bah. C'est bien, battez-vous. Ah, il les a défoncés! Mon gars, il les a défoncés! Ah.
Moins cool ça. Bâtard. Peut-être qu'en fait on va juste se casser parce que on va reprendre le buggy. Ça évitera les problèmes. Ah, ils sont sympas de m'avoir donné ici. Est-ce que... D'accord, je peux accéder à ça. Je dois pouvoir passer... Stop. Un léger accident. Ça va, je pourrais remonter avec. Bon, là je crois que j'ai pas trop le choix. Bon, de toute façon on peut remonter par là donc. Pas des masses de choix, on ne pourra pas aller plus loin. Bon, c'était une belle mort. Je l'ai pas pris de face en plus hein. Frère. Piège de sable, très bien. On change de chapitre. Allez, ça dégage. Pourquoi descendre vite fait ? De fouiller un peu. Un lamar en moins. Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième qui traîne là. Il va se relever là, je sens bien. Ah non, même pas. T'as de la chance. T'inquiète, je vais venir m'occuper de toi. T'en fais pas. Venez par là. Oh bâtard. J'y crois. Sale con. Ok, est-ce que ça va venir en infini ou pas? Dans le doute. On va reprendre ça. C'est un coup avoir des problèmes. Voilà, je préfère que tu sors de là, c'est mieux. Putain, j'ai perdu de la vie, mais comme de la merde hein. Quel petit con.
donne envie d'aller voir dans la maison. Je sais que tout bas c'est votre idée. Regardez. Je me suis fait déglinguer. Juste un enfoiré derrière. Non, j'ai eu. Surtout pas aller dans le truc de sable, hein. On est bien d'accord. Ah, on peut rentrer derrière. C'est ce qu'on va faire. J'ai bien l'intention de fouiller la baraque. Alors, l'instinct dirait ne surtout pas ne surtout pas monter à l'étage. Et pour autant, on a envie de savoir ce qui se cache au grenier. Si on peut monter jusqu'en haut, c'est bien qu'il y a quelque chose, non? Ah, bâtard! Espèce de con! Ouh, joli tir. Bande de salauds! C'est tout! Ah, c'est ces salopes qui vont re-rentrer en plus. Suffit, ouais! On va revenir là! Allez, viens! On va exploser ailleurs, hein, saloperie. Bon, mis à part des mines, rien de particulier, on avance encore. Ça fait un moment en fait, je vous garde ce bruit là. Ok. Oui, c'est tout simple. Ils vont péter ma voiture là. Mettez un peu. Très mal démerdé. Toi je t'ai vu. T'as confirmé. Ouais, parce que lui il fait très mal. On peut d'ailleurs peut-être continuer avec avec ça. C'est tout. Visiblement, on peut monter sur le toit, peut-être. Ouais, mais encore. Quelque chose à faire sur le toit ou... Non. Hein. On va monter là-haut. J'ai envie de voir la gueule du gars que j'ai buté aussi. On peut pas ? Quel dommage. Quel dommage, je serais bien d'aller voir. Ok, il a peut-être. Voilà. Super, évidemment. On va ouvrir la barrière. Ah bah non. Ah bah non. Voilà. C'est comme ça qu'on ouvre les barrières. Bon, on va se reprendre juste la vie ici.
On va juste avancer un peu et puis écoutez, on va se laisser là, ma foi. Hein. On aura avancé un petit peu. Allez vous faire foutre. Hein. Allez vous faire foutre avec ça, là. Qu'est-ce qu'on veut d'avancer jusqu'au prochain... prochain point de chargement, mais je pense que c'est un peu loin. On va aller jusqu'à la prochaine zone où il y aura du monde, et puis on va se laisser là. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher votre like, on va se retrouver très vite les amis. Merci pour les commentaires, pour les abonnements, à très très vite donc, et à ciao bye.